Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live où nous poursuivons donc l'aventure Mad Max. Et donc on continue d'améliorer les forteresses, notamment la forteresse de Pink Eye. Et là on va voir le projet qui va faire que ça va aller beaucoup plus vite pour s'améliorer. Le projet qui va nous rapporter 500 de ferraille supplémentaire à chaque nouvelle séance de jeu. Donc ça fera 1500 de ferraille par à chaque fois qu'on relance. On sera bien. Mais calmez-vous les gars, je vous fais pas de mal. Ah mais on s'en fout du convoi. On a même pas de munitions pour l'attaquer. Ce sera pas cette fois. Waouh, oh, le mec par contre, sniper. Parce que là, toucher une bagnole en plein mouf comme ça. Par contre, tirer sur le pilote, je sais pas s'ils ont appris un jour quand même. Je veux dire, il met une balle dans la tête, je meurs. Ils ont un véhicule tout neuf et tout pété. Et non, non, ils essaient de péter le véhicule. C'est un bien piège de balle. Oh, ce petit frise des familles. Voilà, comme ça, plein de ferraille pour moi. Par contre, je voudrais savoir à quoi sert cette tente, quoi. Mais oui, faisons encore tes projets pour amasser encore de la ferraille. Ils font un pique-nique. Pique-nique! What? C'était quoi? Attendez, j'ai pas rêvé? Attendez. Ah oui d'accord. La bagnole et le rocher qui était en face de moi ont littéralement disparu dans le vide. Très joli bug. Mais alors là par contre c'est la première fois que j'ai un bug pareil. Il espère quoi en tirant dans le pare-choc arrière? Mais waouh! Ça c'est du bon bug comme on les aime. Okay.
Allez. On descend de sa bagnole, il faut le faire avec. Le petit marauflard. Je suis en rage. Ah ouais, ok. Ah mais voilà, il a plein de copains. Tu m'ennuies. Matt, sérieusement? Non, 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 allez, Matt. Matt, merci, Matt. Ouh, de la bouffe. Oh, la caméra. Oh, 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 oh. Ah, cette caméra qui s'est... Oh, mon Dieu. Ah, ça crie. Qu'est-ce qui se passe? Non mais je suis en bas en fait hein. Non mais je suis là hein. Ouais ouais. Coucou. Vous venez? Oh les patates que je lui mets quoi. Oh il y a l'air d'avoir plein de gens intéressants en bas. Ça tire bien. Qu'est-ce que veut dire tout ceci? Ah, c'était caché derrière le mot DEP en fait, ok. Ah ben non, on l'a reparti. En espérant que le jeu arrête de bugger un peu, quoi. Quand tu entres le glitch du mec à la casse. Plus la bagnole fantôme qui disparaît, on ne sait où. Oh il a, ah il m'a touché lui par contre, mais par contre ils me font plus de dégâts, ça c'est bien. Ah, ah de la ferraille, je suis pas d'accord. Ah non, 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 remets ça en place, s'il te plaît. Oh.
D'accord, je l'ai vu. Oui, attends, attends. On va jouer. Ah, ce qu'il m'a mis, le mec. En tout cas, très bon sniper, le mec, parce qu'il réussit à tirer au-dessus d'un feu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? You busted the jaw. They said it couldn't be done. I was too close to the ruckus. I am all but broke. Whoever you are. Oh là, tu peux pas mourir très vite là, s'il te plaît. Je suis pressé. Allez, meurs. Rocket bottle fell. Doing me work for. Oh, mais tu vas te décider à crever, s'il te plaît. For a soul. Voilà, super. Merci. Pour Satan de Ferret, tu m'as dérangé, toi. Petite conne, toi. Par contre, vous noterez qu'on peut même pas avoir l'option d'essayer de l'aider. Hein. C'est magnifique. Ah, ça y est, elle est morte. Ah non, non. Ah non, alors. Oh, ouais. Et mon tour la confronte la bataille. Pardon, ces forteresses-là vont être chiant à prendre parce que leur défense, je pourrais pas les maroufler énormément vu qu'il n'y aura pas d'espace pour manœuvrer. Faudra que je fasse attention à cela. Oula! Heureusement que ma bagnole emmerde la gravité et tout ce qui va avec. Par contre, ce lag! Mais ce... Comment ça se fait que je me mange un lag pareil? Oula, la gravité... Oula, par contre, la physique gravité... Là, par contre, ma bagnole n'a pas fait que les enculés, là. Mais je veux pas faire de course à la mort. T'as pas compris le jeu. Ah non, non, pas le goudron, pas le goudron. Enfin, le pétrole. Sinon, on est ralenti à mort et ça devient dégueulasse. Coucou. Mais t'as un pistolet, toi, t'es mignon. Wow! Ah toi t'es pas mignon! C'est ma propre caisse. Les gars! Yeah.
Bon, on va m'enroufler, hein. Voilà. Voilà. Bon, on n'a pas de fierté et qu'on a vraiment plus de PV. Là, ce qu'on fait, les gars. Un nouveau projet, 1. Il y a toujours de la ferie ici. Il y a une ferraille qui m'a échappé ici. Ouh, toi t'as pas eu de chance dans ta vie, mon gars. Comment une ferraille peut être planquée ici? Vous avez vu la gueule tout level ou quoi? Je dois avouer, ça c'était bien vu. Très très bien vu les méchants. Les redoutables, c'est quoi ça? Ah, c'est ça? Bah, dédommez-les-moi, s'il te plaît. Tu l'as loupé! Il s'est pas loupé! Moi non plus. Il y a encore un qu'on veut. Ah non, il décroche. Et moi je veux bien, mais je peux pas les éteindre moi-même. C'est une blague. T'apprendras à foncer dans ma caisse. Quoi? Bah tant pis pour l'informateur, hein. Cassos. Le mec a réussi à me toucher! Le mec a touché Matt dans ma bagnole!
très impressionné par le mec. Ah! Ça, c'est pas cool. Par contre, je récupère un peu de vie, ça c'est cool. Ça commence de plus en plus à ressembler à quelque chose. Ah, même la cabane commence à avoir une utilité. C'est bien ça. Par contre, c'est pas très habité, hein. À part l'espèce de dortoir public là. Ah, même pas. Ah non, c'est pas le dortoir public ici, pardon. Voilà le dortoir public. Le mec, j'améliore sa baraque comme c'est pas permis, il me crache à la gueule, tout va bien. Je me sens. C'est ça qui est cool dans les jeux vidéo. T'as beau être le héros et tout, les gens te cracheront toujours à la gueule, quoi que tu fasses. Attends, tu peux me remontrer parce que j'ai pas vu. Remontre-moi s'il te plaît. Ah ouais! Ah oui! Ah oui! Rien de ça! Une forteresse, difficulté maximum. Bon, bah, on a tes coronesses, on en a pas. Hein. Par contre, à ce tarif là, on va maroufler un peu, on va récupérer tes PV chez Chieta. Petit Frist et famille. Je sais pas pourquoi le jeu est en PLS aujourd'hui. Thank you.
I'll safeguard her while you take care of business. C'est gentil. I've pondered your mystery. Found a sliver of knowing, I think. Ah bon. They trained you to fight and survive. You were their warrior. But you were also human. You had love and hope and future. It was all torn from you. All but your training. No past. Now this is me. It'll always be me. Because your flesh fears to let you think these things. Terrified that one single ember of good could ignite the mind and consume. Allez, souffre-moi ta mauvaise haleine de 40 jours dans la gueule. In some far away corner of yourself. It always smolder. Il paraît. Never escape it. But let's leave the past for the future. And deal with now. On va maroufler, hein. Donc, plus de PV. Voilà. Plus longtemps en mode fureur. Plus de ferraille. Et plus d'eau. Voilà, comme ça, non, voilà, comme ça j'ai récupéré tous mes PV. Maintenant on va aller faire la forteresse. Ah, c'est donc ça. Ah, ah, écoutez, à ce tarif là. Ah oui, et aussi on va améliorer le matos de Matt. Alors Matt, qu'est-ce que je peux faire pour toi de plus mon chou? Ah, je peux carrément passer au casse-mâchoire. Alors, c'est parti, hein. Oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, ça c'est du bon gland-clé moyenâgeux, hein. Ah ça, je pense que quand je vais taper, ça va pas faire du bien. Allez. Ah, il fait un peu clodo ce blouson là. Un peu. Bracelet de force Rémouleur. Ah ouais, on va voir un peu. Oh, oh oui. Oh, j'adore le design de ces gantelets, quoi. Mais carrément.
Ah, pardon, le truc pour péter les boucliers. Je suis tout à fait preneur. Bon, j'ai plus un pet de ferraille. Mais là, je suis un putain de warrior, quoi. Oh, comme il se l'est mangé. Ok, tu veux jouer au con. Je joue au con, moi. Voilà. Marouflard dans l'âme. Ça a frôlé celle-là. Eh mais ils me veulent, hein. Pardon, je crois que je suis mort. Je m'en prends plein la gueule. Ah ouais, là je suis carrément mort. J'ai même pas le temps de me relever. Cette gang bang.
En tout cas, cette forteresse niveau 5 là, c'est pas de la merde, hein. Oh, j'espère que tout ce que j'ai cassé de défense et ne reviendra pas. Sinon, ça va être chiant. C'est pas grave pour la tempête, on va faire avec. Ah, c'était pas non plus ce tremplin là, le tremplin. Tempête en vue. Ok, j'ai vu le tremplin. Et là, c'est à nouveau la mort parce que je peux à nouveau plus bouger. Mais rien de ça, c'est infernal, je peux pas bouger. Ah punaise, le jeu là qui veut ma mort, quoi. Parce que, allez, déjà les défenses qui sont bien hard, mais en plus derrière, vous prenez une tempête. Mais oui. Volontiers, bien sûr, évidemment. C'est les messieurs qui me demandent pas si je veux tout grosser là de mon gravier, quoi. Alors voyons. Oh voilà, truc bien, ça me permet de vérifier si les défenses que je détruis sont détruites pour de bon ou pas. Et il me semble que oui. Very highly protected. You did it. Donc ça c'est bien. Non le chat, tu fais pas de bêtises s'il te plaît. Ah d'accord, par contre c'est direct en mode guerre. Keep an eye on the car. Yes, I will protect her, Saint. But don't be wrong, please. Ah, c'était du béton avec du fer renforcé et tout. Ah oui, je comprends. Je comprends que ma bagnole n'est pas réussi à défoncer ça.
pardon. Seriez-vous en train de me dire que c'est que ça? Non, attendez. Il va y avoir un truc qui m'échappe là. Oh oh. Ah voilà, il y en a 7. En fait, c'est une seule immense forteresse, en fait. Enfin, c'est... Non, pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Oh mais c'est gantelet quoi. Ouais, c'est donc ça, c'est en fait, c'est... C'est plusieurs petites forteresses qui en composent une seule grosse, en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui. Y aurait-il quelqu'un? Eh mais le jeu il devient dingue. Ah non, il y a un petit Warboy là. Bref. Eh mais non, il entre ça dans le décor, littéralement. Oui, nous chamerde. Oui, désolé, au tarif d'Evt, là, on va la faire, la forteresse, hein. Par contre, c'est pas mal de faire plusieurs petites forteresses qui comptent comme une seule grosse, en fait. Enfin, oui et non, parce qu'en fait le côté chiant c'est que tous les Warboys sont partout en fait. Ils restent à tes courses, bah... Ah
Oh, je me suis pris une poudre dans la gueule, tout va bien. Et c'est dans cette forteresse niveau 5. Ah, c'est glorieux, franchement. Parce que, en fait, comme les ennemis sont dispatchés partout, bah, au final. Ils me font rien, quoi. Non, ça c'est un vieux. Non mais... Mais punaise! Et je meurs à cause de la gâteau de merde. Allez, 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 allez. Parce que quand je roule dans cette mélasse, ma bagnole va-tu de à l'heure. Oh, mais c'est une horreur ce don. En fait, c'est pas qu'il est dur. Il est juste frustrant parce qu'une fois que ta bagnole est prise dans la gadoue et que tu te fais bombarder, bah tu sais rien faire. C'est frustrant ça par contre, franchement. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, vraiment, je suis un peu... Sérieusement, voilà mon avis sur cette forteresse. Elle est décevante. Parce que ce n'est que ses défenses naturellement dangereuses. Les Warboys, comme ils sont disparus partout, bah au final... Super, elle est où ma caisse? Le truc au milieu, il est détruit? Oui, il est détruit. Alors ce qu'on l'a, on l'a fait. Ok. Ah, c'est facile à ce point-là, même par moment. Lie low here. Yes, I will not leave her here. Ah, mais c'est un convoi en fait, on s'en fout. Comme je viens de le fracasser. C'est moi qui ai fait ça? Ah ouais.
Bah, toi t'as pas pris l'échelle. Regarde ça, maintenant tu boitilles. Le mec a pété ses propres puits de pétrole en tirant. Ah non. Il a pété ses propres puits de pétrole. Ah, ah, c'est merveilleux. Ah, c'est magnifique. Ah, le jeu qui s'auto-tue tout seul, quoi. Voilà, j'ai gagné mon jeton. Oui, nickel. Bon bah on va voir Big Eye pour faire fabriquer le puits à pétrole. Et on s'arrêtera là pour le moment, les enfants. Donc voilà, papa en train de vous a streamé une belle histoire au petit matin. Vous avez pu regarder joyeusement en pyjama avec votre petite bol de cacao. Dans vos biscuits, évidemment. Mais là, je vais donc aller remplir le puits. Et ensuite, j'irai moi-même prendre mon bol de cacao. Nourrir les chats. Parce que, en fait, je crois que c'est pour ça que le petit il va pas bien en fait. Enfin, pas bien, si il va bien, il court partout. Mais il me regarde en air pas content. Et en fait, je crois pas que c'est à cause du fait que j'imitais une voiture. C'est parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le matin. Il veut son petit déj. Hein, mon petit père. Mais n'empêche, le mec, il tire et il dégomme sa pauvre base, quoi. Là, je suis sûr que Strotus, là, il est en train de lui casser la gueule en disant « Mais t'as pété le prix de pétrole, bordel! Pourquoi t'as fait ça ?»« Bah, c'est pour pas laisser le plaisir à Mass Golfer, monsieur. Hein. » »« Donne-lui une invitation, s'il vous plaît. » «
to hand it to you. Taking out that camp and getting us the sail. Mighty impressive. Pink Eye is special. She knows things, you know, about what's buried and such. Ah ouais, remerciez-moi. Regardez-moi ça, je vous ramène un magnifique puits à pétrole. Il vous reste quoi à obtenir, vous? De l'eau, des éclaireurs et une grosse réserve de ferraille. Bah c'est bien, la grosse réserve de ferraille, vous l'aurez directement quand je relancerai le jeu. Donc ça, c'est open bar. C'est pour moi, ça fait plaisir. Allez, moi sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon matin, du moins pour ce qu'il en reste. Et merci à tous ceux qui ont regardé le stream, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à nous follow sur la chaîne et à nous suivre sur Facebook et Twitter pour savoir quand c'est qu'on stream. Et allez voir la chaîne Techlopalette avec Highlight, Toulou et je sais pas quoi. Moi sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais aller prendre mon petit déj et je vous dis donc à tout à l'heure.